Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode 123 d'Apprenons Ensemble afin de réviser quelques flashcards santé. Vous êtes prêts On y va De quelle manière l'AMPK aide-t-elle la cellule à faire face au stress thermique euh, bff, Je ne sais pas trop, mais je dirais, je dirais que l'AMPK modifie certains paramètres énergétiques, euh, que ce soit production économie d'énergie pour euh, du coup limiter euh, euh, le stress oxydatif. Je sais pas trop comment expliquer plus concrètement. Je sais même pas si c'est ça. Donc euh, on va vérifier ça tout de suite. C'est parti. De quelle manière l'AMPK aide-t-elle la cellule à faire face au stress thermique L'AMPK, protéine kinase activée par l'AMP aide la cellule à faire face au stress thermique en activant des voies qui rétablissent l'équilibre énergétique et favorisent la survie cellulaire sous conditions de stress. Lorsque les cellules subissent un stress thermique, comme une exposition à une chaleur excessive, cela perturbe leur fonctionnement normal et augmente leur besoin en énergie pour maintenir l'homéostasie. L'AMPK détecte les baisses de ratio ATP-AMP, énergie disponible, qui surviennent durant le stress thermique et réagit en activant des processus qui augmentent la production d'énergie et réduisent la consommation énergétique inutile. Par exemple, la MPK peut 1. augmenter la glucose uptake, stimuler la prise de glucose par les cellules pour augmenter la production rapide d'énergie via la glycolyse. 2. inhiber la synthèse des protéines, réduire la synthèse globale des protéines, un processus énergivore, afin de conserver l'énergie pour des fonctions vitales. Promouvoir l'autophagie. Activer l'autophagie où la cellule dégrade et recycle ses propres composants endommagés ou inutiles pour récupérer des nutriments et maintenir la vitalité cellulaire. Dans ce contexte, l'AMPK agit comme une clé qui ouvre ou active des voies métaboliques spécifiques en réponse à des signaux de stress énergétique, assurant que la cellule adapte rapidement son métabolisme pour survivre au stress. Le nom AMPK vient de AMP, Activated Protein Kinase. Soulignant son rôle en tant que capteur d'AMP, une molécule signalant une faible énergie dans la cellule. Imagine l'AMPK comme le manager économe d'un magasin lors d'une coupure de courant, éteignant les lumières inutiles et faisant tourner les générateurs pour garder l'essentiel en fonction. Comprendre le rôle de l'AMPK dans la réponse au stress peut aider à développer des stratégies pour traiter des conditions liées au stress cellulaire, telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète et certaines pathologies liées à l'âge. Conclusion, l'AMPK est essentielle pour la réponse cellulaire au stress thermique en aidant à maintenir l'équilibre énergétique et la survie cellulaire grâce à divers mécanismes d'économie et de production d'énergie. Quel processus l'AMPK active-t-elle pour aider à recycler les composants cellulaires endommagés ou inutiles euh, bah, Du coup, comme tu l'as cité, euh, stimuler la glycolyse, bon, je schématise, hein, mais euh, aussi diminuer, diminuer pardon, la synthèse des protéines. Euh, qui est hyper euh, énergivore et c'est hyper intéressant que tu l'aies rappelé, et euh, du coup, potentialiser l'apoptose. Tu as très bien capté certains des rôles clés de l'AMPK en réponse au stress, comme stimuler la glycolyse et diminuer la synthèse de protéines. Cependant, pour le dernier point, il y a une petite confusion. Au lieu de potentialiser l'apoptose, l'AMPK active en réalité l'autophagie. L'autophagie est le processus par lequel la cellule dégrade et recycle ses propres composants endommagés ou inutiles pour récupérer des nutriments et maintenir la vitalité cellulaire. Cela aide la cellule à survivre en période de stress en s'assurant que les ressources sont utilisées de manière optimale et que les débris cellulaires ne s'accumulent pas. L'apoptose, quant à elle, est le processus de mort cellulaire programmée, qui est également important pour la santé des tissus, mais n'est pas directement activé par la MPK dans ce contexte. Tu es sur la bonne voie avec ta compréhension des mécanismes cellulaires. Continuer à faire ces distinctions t'aidera à mieux comprendre et à mieux expliquer des processus complexes. Ok, donc euh, l'IA a compris que je m'étais trompé, que j'avais confondu euh, apoptose et euh, autophagie. Et je suis assez satisfait qu'elle s'en ait rendu compte parce que... Car ça fait partie des points faibles de cette intelligence artificielle-là. Donc là, elle a tout à fait compris. Donc ma reprise, c'est super. Elle a même expliqué rapidement ce qu'était la différence entre les deux. Euh, puis voilà, passons à la flashcard suivante. C'est quoi la pharmacocinétique Alors là, franchement, je sais pas du tout. Petite dédicace à Inès pour m'avoir envoyé des sujets de flashcard. Mais malheureusement, je ne les connais pas. Donc, euh, on va passer à la vérification. En tout cas, je suis super content d'ajouter des nouvelles flashcards au deck, car même si ça s'éloigne de la nutrition, c'est quand même en lien avec la santé et toujours intéressant de connaître. D'ailleurs, si vous aussi, vous voulez que j'aborde quelques sujets de flashcards dans les épisodes, n'hésitez vraiment pas à me les dire. Euh, bref, vérification. C'est quoi la pharmacocinétique La pharmacocinétique est l'étude de la façon dont un médicament est absorbé, distribué, métabolisé et éliminé par l'organisme. La pharmacocinétique décrit les changements de concentration d'un médicament dans le corps au fil du temps et implique quatre processus principaux, souvent résumés par l'acronyme ARMA. 1. Absorption, le processus par lequel un médicament passe du site d'administration dans la circulation sanguine. 2. Distribution, la répartition du médicament dans les différents tissus et fluides corporels. 3. Métabolisme. La transformation chimique du médicament, généralement dans le foie, en métabolites qui peuvent être plus ou moins actifs que la substance originale. 4. Élimination. L'excrétion du médicament et de ses métabolites hors de l'organisme, principalement par les reins et les selles. Bien que la pharmacocinétique ne traite pas directement des interactions moléculaires clé-serrure, elle est étroitement liée à la pharmacodynamique qui étudie comment les médicaments agissent sur l'organisme, souvent via des interactions de type clé-serrure avec des cibles biologiques telles que les récepteurs ou les enzymes. Le terme pharmacocinétique se compose de pharmaco, faisant référence aux médicaments, et de cinétique, du grec kinésis signifiant mouvement, illustrant comment les médicaments se déplacent à travers le corps. Si on comparait le corps à un parc d'attractions, la pharmacocinétique serait le guide du parc, expliquant comment, où et quand les visiteurs, médicaments, entrent, se promènent, participent à des activités, réactions chimiques, et finalement quittent le parc. En médecine, comprendre la pharmacocinétique est crucial pour déterminer la dose appropriée d'un médicament, prévoir ses interactions potentielles, et ajuster les traitements en fonction des besoins individuels, en particulier chez les personnes ayant des conditions affectant le métabolisme ou l'élimination des médicaments. Conclusion, la pharmacocinétique est une branche essentielle de la pharmacologie qui aide à optimiser l'efficacité des médicaments tout en minimisant leurs effets secondaires, en fournissant une compréhension détaillée de leur parcours dans le corps. Quels sont les quatre processus principaux de la pharmacocinétique, représentés par l'acronyme ADEM? Alors, euh, les quatre processus principaux de la pharmacocinétique. Euh, donc, euh, je vais reprendre l'acronyme ADME. Ça va être facile du coup à décortiquer. Donc, A absorption, D distribution, euh, M métabolisation et E évacuation. Tu as presque tout juste pour l'acronyme ADME. Tu as bien identifié les trois premiers processus. Absorption, distribution et métabolisme. Pour le dernier, plutôt que évacuation, le terme correct est élimination. C'est une nuance importante, car élimination couvre spécifiquement les voies par lesquelles les médicaments et leurs métabolites sont retirés de l'organisme, principalement via les reins, urine et les intestins, selles. Euh, comme vous avez pu l'entendre, euh, l'IA a un peu de mal à lire les acronymes en français. Donc euh, je vais essayer à l'avenir de euh, la prévenir ou de faire un espace entre les deux pour que ce soit plus, plus agréable à entendre en français. Voilà voilà Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao